Bonjour les frères Élise, comment vous allez? Moi ça va. Après notre grande aventure, notre grosse aventure de Brunch Beauty qui a regroupé des first ladies de tout le monde entier, Blandine du Bénin qui était la grande gagnante, Antiquette de France, Fat de France, Dodgy du Bénin et ma sœur chérie Énergie de Londres qui ont voulu partager avec vous leur expérience de beauté avec des produits qu'elles utilisaient au courant de ces 6 mois. Oui, 6 très longs mois d'aventure qu'elles ont partagé, elles ont supporté, elles ont voulu partager avec vous. Nous les remercions déjà beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Antiquette. Merci, Fa. Merci, Blandine. Merci, Dodu. Merci, Énergie, pour tout ce que vous avez fait pour Brunch Beauty. Et voilà, l'aventure continue parce que, involontairement, quelqu'un, non, quelqu'une, notre First Lady de l'Allemagne, Farida a lancé, sans le vouloir, de manière naturelle, elle a lancé un nouveau challenge qui était de faire des revues des produits qu'elle utilise. En réalité, Farida a juste voulu partager avec vous, voilà, son avis sur les produits qu'elle utilisait. Et du coup, ça m'a donné l'idée de, voilà, pourquoi ne pas en faire profiter plusieurs autres personnes? Parce que, oui, je suis sur Internet depuis, beaucoup de personnes achètent des produits, mais très peu savent, comment ces produits réagissent réellement. Il y a les First Ladies qui ont eu le courage de faire l'émission de Brunch Beauty, mais je pense que c'est bien. Mais si on pouvait, nous tous, comment dire, se mettre à la pâte, ça serait vraiment fantastique. Alors, ce challenge n'est pas forcément pour expliquer vos problèmes comme dans Brunch Beauty, parce que dans Brunch Beauty, chaque First Lady expliquait un peu pourquoi est-ce qu'elle voulait participer à Brunch Beauty. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas besoin de raconter votre problème parce que ce n'est pas le business de quelqu'un, ça ne le regarde pas du tout. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir votre avis impartial et sincère sur les produits que vous avez eu à utiliser, sur les produits que vous avez eu à acheter chez moi, parce que là, je parle des produits que moi, je vends. Et voilà, je sais que c'est pas tout le monde qui a eu des résultats franchement positifs, parce que, comme je vous dis toujours, les produits, vraiment, ça dépend de chaque peau. Il y a des gens qui ont des résultats très, très positifs, il y a des gens qui ne trouvent pas 100% de satisfaction, mais le but, c'est de savoir exactement ce que vous pensez du produit. Et ce que vous pensez de ce que vous avez utilisé, peut-être même aussi du service en général, pourquoi pas mon service aussi. Et c'est dans ce cadre-là que notre First Lady de la France, Lady Yolande, a voulu se prêter à ce jeu. Et voilà, elle a fait une très belle vidéo que je vais partager avec vous. Voilà, on va l'écouter et on revient après. Coucou, salut les First Lady, salut ma tantine, le Kawat. J'espère que vous allez tous bien. On va passer bien aussi par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, je tiens à vous présenter les produits que j'ai à utiliser d'un mois. Je tiens, et ça c'est la reine mère. Oui, ça c'est le pivot, le pilier, Castel Extrême. Et je tiens à vous présenter aussi, j'ai utilisé sa glycérine. J'ai utilisé son sérum. J'ai utilisé la vitamine E, une bonne vitamine, un bon sérum. Ça, j'adore, qui nourrit intensivement la peau. Et ça, c'est le pivot aussi, le savon. Le savon Glutathione original. Oui, ça, c'est l'original. Parce qu'il faut tomber sur un bon savon. J'ai ça. C'est un très bon savon qui fait son job. Ça enlève les taches au niveau du visage, au cou, les orteils, toutes les taches. C'est un très bon savon. Je vous conseille vivement ce savon. Je vous recommande aussi d'aller sur le site Rukyat White. Elle a des merveilles là-bas. Et non seulement, ce n'est pas le fait d'acheter des produits qui compte, c'est l'utilisation. Parce que, au fait, Rukyat White, non seulement vous achetez chez elle, mais elle vous conseille comment manipuler les produits. Oui, c'est ça le savoir-faire. Ça, c'est des made in Rukyat White. C'est un don pour elle. Comment faire? C'est ça quoi? Vous comprenez ce que je veux dire, non?
Donc, moi, j'ai utilisé mon produit. Regardez. À peine un mois, j'ai le résultat. Donc, je tiens à vous conseiller vivement. Les hommes aussi, pourquoi pas. Allez sur le site. Oui, parce que bientôt, elle est actuellement elle est en promotion aussi. Et bientôt, d'ici la fin de ce mois, ça finit. Donc, je vous exhorte massivement à aller sur le site et de profiter de ces merveilles de promotion. C'est un avantage. Et je tiens aussi à dire que personne, moi, personne ne m'a forcé à faire cette vidéo. Je l'ai fait pour montrer à quel point ces produits marchent. Ça marche et personne ne m'a forcé. Et je tiens aussi à dire que White n'est pas venu chez moi à la maison ni chez d'autres personnes pour dire venez acheter mes produits. Non, nous on est venu acheter des produits. On a été intéressé en acheter. Donc s'il vous plaît, ne venez pas gâter sa sauce parce que les médisances, tout ça, les méchancetés, ça non, c'est pas bien du tout. Moi je trouve que si quelqu'un décide d'éclaircir sa peau, c'est un choix, c'est son choix. Donc je tiens à ce qu'on respecte le choix de tout le monde, quoi. Donc, je voulais dire aussi que Rukia White, elle a un don. Parce que quand des gens, quand on achète des produits qui nous détruisent la peau, elle est là pour les réparer. Oui, elle a un don de réparation. Donc, c'est ce que je tiens à dire. Donc, mes soeurs, vous avez des mamies sur le visage, vous avez des taches partout, tout ça là. Courez, n'hésitez pas. C'est une femme de confiance. Moi, je l'ai connue. Et quand j'ai fait ma commande, au bout d'une semaine, je l'ai reçue. J'ai dit, mais tiens, quelqu'un que je ne connais pas, j'envoie mon argent. Mais elle est une femme honnête. N'hésitez pas. Elle ne, c'est pas quelqu'un qui fait des magouilles, non. Elle est très sincère. Et moi, je vous recommande vivement, oui. Je recommande vivement Rukia White. D'autres femmes, pourquoi pas aux hommes aussi, à tout le monde. Donc, c'est ça ce que j'avais à dire. Ces produits marchent, c'est pas elle qui n'est pas la fabricante, non. Rukia White, c'est une vendeuse. Elle vend non seulement, elle vend, mais elle a le secret de ses produits. Elle connaît comment mijoter la sauce. Donc, venez massivement et sans hésiter. Je vous enverrai plus de vidéos pour l'évolution de ma peau. Donc, sur ce, je vous embrasse. Rukia White, je t'encourage. C'est pas... Comment dirais-je? Je te soutiens. Sois forte. Et je t'envoie un gros coucou à toi et à toute ta famille. Bisous à toutes les First Lady. Au revoir. Moi, je prends ma propre expérience. Par exemple, moi, je vais dans les boutiques. Quand je vois une dame, je dis, mais tiens, tu as une jolie peau. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, elle m'a fourni des produits que... Oh là là. Moi, quand je suis arrivée à... quand j'ai fait la connaissance de Rukia, non seulement j'ai acheté les produits, mais elle m'a conseillé son utilisation. Et en voilà le résultat. Je n'ai pas de soucis. Elle vous montrera les photos d'avant et d'après. Je n'ai pas de... Regardez. Je l'ai utilisé à peine il y a un mois. Un mois tout juste. Juste un mois, j'utilise aussi le sérum carré. De Suisse. Et en fait, c'est pas le fait d'acheter les produits, mais dans la chambre, non. C'est son utilisation. Comment l'utiliser, c'est ça le secret. C'est ça même, le goût de la sauce. Donc, les femmes, je vous exhorte, je vous encourage massivement à aller sur le site Rukia White pour découvrir de nouveautés. Il y a de nouvelles choses là-bas. Tellement, il y a des choses que j'ai envie de tout prendre là-bas. Mais, vous savez, je me contente de ce que j'ai. Juste un mois de résultat. J'ai commencé le premier du mois de mars, du mois d'avril, excusez-moi. Et hier, le 1er mai, ça fait un mois jour pour jour. Et voilà mon teint. J'ai teint bon, un joli peau. Joli peau. Ça.
merci. Au revoir, je vous embrasse. Ok, what? Tu es la meilleure. Que personne ne vienne gâter ta sauce. Oui, parce que nous, on a décidé de faire le Johnson. Tu nous as pas forcé. Tu n'es pas venu dans notre maison nous chercher pour qu'on vienne acheter chez toi. Non, c'est nous qui sommes venus. Donc, les médisances, non, pardon. Nous, c'est ce qu'on a voulu, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Donc, que chacun prépare sa sauce. Merci, au revoir. D'autres phases de violence, c'est un cas, donc faut pas la tester. Je vous dis souvent que j'ai ma policière sur YouTube là. C'est elle ma policière parce que ceux qui viennent souvent me saquer là, elle est là derrière, elle dit qu'elle ne laisse pas. Elle m'a dit qu'elle ne laisse pas. Donc vraiment, merci beaucoup Yolande pour ta revue. Merci pour ta sincère participation. Merci également à Farida pour ta sincère participation parce que je vous assure, elles ont voulu le faire. Et ce n'est pas à cause de... Parce que oui, effectivement, il y a 30% sur le produit de votre choix que vous avez après avoir fait cette revue. Mais ce qui me touche le plus, c'est que ces faisaient ne font pas pour ces 30% parce qu'elles ont commencé à acheter les produits sans histoire de 30%. Donc, elles ont voulu acheter le produit. Maintenant que le challenge est lancé, elles ont simplement voulu partager leur expérience avec vous. C'est moi qui ai décidé que, ok, moi je vais donner 30% parce que je trouve que c'est énorme ce qu'elles font. Je trouve que c'est, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut être aussi déterminé à vouloir passer l'information aux autres. Et pour moi, c'est ma façon à moi comme ça de les remercier parce que, voilà, dire merci c'est parfois bien, mais parfois il faut faire quand même quelque chose de plus consistant parce que ces dames prennent leur temps. Elles prennent aussi, elles dépensent également leur énergie pour faire tout ça. Et voilà, nous devons être reconnaissants d'une certaine manière parce que ce n'est pas évident de faire tout le temps des revues sur les produits que vous utilisez. Farida m'a dit qu'elle veut tester plusieurs 5 en 5 parce qu'elle veut savoir lequel est mieux parmi les deux. En fait, je pense que ce serait très bénéfique pour vous parce que la question qu'on me pose souvent... très souvent, c'est que quelle est la différence entre efficacité extrême, efficacité exceptionnelle. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, vraiment, à part le parfum, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que les deux sont pareils. Maintenant, quelqu'un qui les utilise et qui aura utilisé les deux pourra vous dire de manière honnête et sincère lequel elle préfère. Et encore, ce sera pour elle, pas pour tout le monde, parce que chaque personne a sa peau, comme on a toujours eu à dire, n'est-ce pas? Donc, vraiment, ce challenge est lancé. Vous êtes toutes invitées, tous invités. Comme Lady Yolande a dit, ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question voilà, d'éclaircir la peau, c'est une question de, voilà, j'utilise tel produit et je donne mon avis sur le produit. Il est comme ça, je pense qu'il est bien, je pense qu'il n'est pas bien pour moi. Ou je pense que, voilà, voilà. Et même le service, pourquoi pas mon service à moi? Comment vous trouvez mon service? Est-ce que, je sais que beaucoup disent que je suis gentille. C'est vrai? Oui, je sais, vrai. Je suis gentille, n'est-ce pas? Ok, donc merci beaucoup et j'attends massivement votre participation. Contactez-moi inbox, vous connaissez comment faire. Contactez-moi inbox pour qu'on en discute. Tout ce que vous avez à faire, c'est partager avec nous une vidéo où vous parlez des produits que vous utilisez. Pas besoin de connaître vos problèmes. Vraiment, ce n'est pas la peine. Pas besoin de raconter pourquoi vous utilisez tel produit. Ça ne regarde que vous. C'est votre problème. C'est votre choix. C'est votre solution. C'est vous. Voilà, on ne veut pas savoir parce que il faut pas que les gens se disent que, ok, je vais raconter ma vie. Non, vous racontez pas votre vie parce que la vie privée, le choix personnel, il est privé. Pourquoi vous utilisez ce produit? Ça ne regarde que vous. Ce n'est pas leur business, comme je l'ai dit. Voilà. C'est vous qui choisissez d'utiliser ce que vous voulez et nous, on respecte ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre avis, comme je l'ai dit. Et voilà, vous faites cette vidéo, vous nous partagez. Si vous pouvez partager avec quelques photos d'avant et d'après, comme Tata Yolande l'a fait, comme Lady Yolande. Je l'appelle toujours Tata Yolande parce que, pourtant, c'est ma Lady, hein, c'est une First Lady. Parce qu'elle aime toujours m'appeler aussi Tata. Donc, comme la First Lady Yolande a fait, elle a montré quelques photos d'elle. Et voilà, vous pouvez faire pareil. Ce serait bien. N'est-ce pas? Donc, j'attends massivement vos vidéos. On se dit à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.